Les gens, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft Windows 10. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, vous le voyez derrière moi, on va faire une vidéo. Ne choisissez pas la mauvaise maison. Du coup, on va retenter le concept, les gars, qui vous a vraiment plu, surtout sur ma chaîne. Ça vous a fait vraiment, vraiment, vraiment plu. Du coup, je vais m'enlever genre de F5, tac. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme maison? Donc, on a la maison des mignons. La maison, comment ça s'appelle? La maison de Toy Story, ouais. Aujourd'hui, on va faire Toy Story, surtout que Toy Story 4, il me semble, sort l'année prochaine. Et la maison de Angry Birds. Du coup, les gars, on va tout de suite rentrer dans la maison des mignons, tac. Bien sûr, les gars, avant de commencer, lâchez tous un big like sous cette vidéo, s'il vous plaît. Vraiment, genre, lâchez tous un like, je vous laisse quelques secondes, là. 5, 4, 3, 2, 1. Les gars, j'espère que vous allez lâcher tous un like et mettez le mot maison dans les commentaires, tac. Du coup, on va rentrer. Hop, ok, il y a personne ici, les gars. On va monter en haut. Alors, ok, il y a personne en haut. Les gars, j'ai entendu une porte qui s'ouvre. Je descends en bas. Oh, les gars, il y a un mignon. Ok, du coup, les gars, il y a un mignon. Par contre, il n'y a pas d'autre truc. Ouais, il n'y a pas d'autre. Le daron là, comment il s'appelle, Grou ou un truc comme ça. Ok, donc on va voir si le mignon a quelque chose à nous dire. Normalement, il nous entend. Alors, salut. De toute façon, il nous entend, du coup, on va lui dire salut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? J'ai un problème. Oula, c'est quoi ton problème? Dis-moi. On va casser les panneaux au fur et à mesure. Je voudrais que tu me fasses. Enfin, je voudrais que tu fasses, pardon. Un circuit. Ouais. Avec des rails. D'accord, c'est-à-dire un circuit, genre juste en bas, genre pour que tu fasses le tour, ou c'est comment? De haut en bas. Ah! Ok, du coup, les gars, on va devoir faire un circuit de haut en bas. C'est-à-dire qu'ils partent d'ici, qu'ils montent et je pense qu'ils veulent que je fasse un tour. C'est ça? Tu veux que je fasse le tour? Genre que ça fasse le tour de la baraque, c'est ça? Ok, donc c'est ça. Et ben, on va prendre ce qu'on a. Ce qu'on peut avoir. Alors, on va prendre des rails normaux, je crois, je sais plus. Bref, on va prendre des torches de redstone. Non, on va prendre direct des blocs de redstone. Et un wagon qu'on prendra après. On va prendre les blocs jaunes juste ici. On va refaire les escaliers parce que sinon, hop, on va faire comme ça les escaliers. Tac, tac, déjà pour monter. Et on va devoir faire des escaliers de l'autre côté aussi. Donc là, il y a un d'écart. On va faire 1, 2, 3. Et bah là, du coup, genre, on va casser juste ici. Tac, normalement, c'est bon. On va faire comme ça. Et là, ça doit monter et redescendre. Ok, du coup, on va faire descendre les rails comme ceci. Bien sûr, là, on va mettre un petit coup d'accélération avec de la redstone. Comme ceci. Là, on va faire... Est-ce que tu veux que je fasse des diagonales ou que je vais directement là-bas? Diagonale? Ok, il veut que j'aille dans diagonale. Du coup, on va faire des trucs comme ça. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ok, ça fait vraiment un petit truc comme ça. Est-ce que là, ça me... Attendez, je regarde juste un truc, les gars. Ah, ok. On va mettre un bloc juste ici. Ok, voilà. C'est ça le problème, c'est qu'il nous faut juste un bloc là, comme ceci. Et normalement... Ok, donc il y a un... Ok. Comment je pourrais régler ça? Là, pourtant, ça marche. Attendez, les gars, je regarde le problème qu'on a. Au pire, on va faire comme ceci. D'accord, on peut en faire comme ceci et genre du coup on pourra ouvrir qu'une seule porte, mais c'est pas grave, ça laisse assez de place pour passer. Du coup on va faire comme ça, on va faire en sorte que ça parte de ce côté. Non, pas de ce côté, putain, ça vient par contre les gars, c'est vraiment la galère. On va faire comme ça, ok nickel. On va faire des petits tours, des petits loopings comme ceci. Du coup on va faire hop, merde, ok c'est le même bordel ici. Tac, et ah ok. Du coup ça part là, on va faire comme ça, comme ça. Normalement le circuit est pas mal il me semble. Qu'est-ce que t'en penses? Non c'est pas bon, pourquoi? Ouais, attendez, on va le suivre les gars. T'en veux plus des comme ça? Ok, il veut plus que ça, ok, il veut que ça aille un peu plus vite. Du coup on va mettre ici les gars. Hop hop, on va en mettre une au milieu. On va mettre une par là. On va mettre une petite accélération ici.
Tac, du coup, genre, à mon avis, ça doit être assez puissant pour remonter. Je pense, ok, il me dit que c'est assez puissant. Du coup, on va mettre un petit minecart juste ici. Et il faut qu'on va attendre juste qu'il se mette sur les rails. Et on va balancer le minecart. Et comme ça, il pourra rentrer dedans. Du coup, 1, 2, 3. Ok, il est rentré dedans, les gars. On va le faire accélérer. On va voir s'il monte jusqu'en haut. Là, ça m'a l'air d'être bon. Voilà, donc normalement, il va faire la descente, les gars. On va le suivre. Tac, 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 tac. On va descendre pour voir la descente. Ok, tac. Ça m'a l'air d'être bon, les gars. Normalement ça a l'air de marcher. Du coup on va attendre qu'il descende pour qu'il nous donne notre récompense. Parce que je pense que tout travail mérite salaire, les gars. Du coup on va voir. Oula, il est où le mignon? Ah, il est là. Attendez, je casse ton minecart. Je te mets le minecart juste ici. Est-ce que j'ai le droit à une récompense? Oui, ok, donc on va voir la récompense qu'il nous donne, les gars. Ok, donc un totem de résurrection, c'est ça que ça s'appelle. Totem d'immortalité, c'est à peu près la même chose. Et bah merci à toi petit mignon, j'espère que je t'aurai rendu service. Du coup les gars, ok, donc il a l'air assez content. On va sortir de la maison, du coup, voilà. Et on se retrouve pour la deuxième maison. Du coup les potes, on se retrouve pour aller dans la deuxième maison. Donc la maison de Woody. Alors je vais enlever, tac, vue en F5. On va rentrer dans la maison. Donc on va voir ce qu'il nous réserve Woody. Ok, du coup il y a personne, il y a des piliers. Ah ok, il est là. Salut, ok, donc il va parler en panneau je pense. Salut, ok, salut à toi. Je casse son panneau. Ça va? Oui, et toi? Ok, ok, ça va, super. Est-ce que t'as quelque chose à nous proposer? Tiens, je te casse, c'est plus facile. J'ai envie... Attends, j'ai envie de jouer avec toi. Oula. Ouais, vas-y, propose un jeu. Tu vas devoir... deviner... Ouais, ok, les gars. On va devoir deviner le nom de chaque... De chaque personnage. Ok, donc c'est-à-dire genre ça là. Ok, ok, donc là en fait on a des piliers, les gars. Je vous explique, j'ai compris à peu près. On a des piliers qui représentent un personnage avec une phrase au-dessus qui nous aide à deviner le personnage. Du coup, je veux qu'on commence par le bas ou le haut. Le bas ici, ok. Alors, j'ai un serpent dans la botte. Bon, les gars, ok, celui-ci je vous laisse pour vous, pour les abonnés, les gars. J'ai un serpent dans la botte, à votre avis, c'est qui? Je vous laisse quelques secondes pour me le mettre dans les commentaires, la réponse. Du coup, les gars, moi, je sais la réponse. Il est juste à côté de moi. C'est lui, c'est Woody. Du coup, on va le mettre dessus. Tac, on va écrire Woody. Je sais pas comment ça s'écrit. Il me semble que ça s'écrit comme ça, les gars. Pour ceux qui ont deviné. Ok, c'est écrit comme ça. Pour ceux qui ont deviné et qui ont mal orthographié le mot, bah, écrivez-le comme ça dans les commentaires. Vous écrivez Woody. Ensuite, vers l'infini au-delà. Bon. Là, je pense qu'il nous prend un peu pour un con, les gars. C'est Buzz l'éclair, les gars, il me semble. Buzz l'éclair, comme ça s'écrit. Tac, éclair. Il me semble que c'est comme ça, hein. Je suis pas sûr. C'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Tiens, bah écrit. Ok, il va nous l'écrire, les gars. Ça s'écrit Buzz... Attends, l'éclair. Ah, ok, ok, il n'y a pas de E à l'éclair. Ok, super. Tac, ok, ensuite, bois. Ah ok, putain, c'est quoi qui est vert? Qu'est-ce qui est vert dans Toy Story, les gars? Putain, faut que je m'en souviens. Ah, le dinosaure là, comment il s'appelle? Rex. Hop, allez boum, c'est ça? Ok, c'est ça les gars. Il adore le bacon. Ok, donc qu'est-ce qui est rose, les gars? Il y a soit le nounours, mais dans Toy Story 2, mais sinon c'est le cochon. Et le cochon, bon bah il aime le bacon apparemment. On va mettre le cochon. Tac, est-ce que c'est le cochon? Oui, c'est ça, les gars. Ok, pour l'instant, on a un sans faute. Est-ce qu'il y a un deuxième étage? Ok, il y a un deuxième étage, les gars. On va suivre Woody. Alors, ensuite. Oh, le grappin est notre maître. Ok, ça me dit quelque chose, ça, les gars. Je sais pas si vous avez reconnu, mais c'est les petits aliens verts et bleus, là. On va mettre alien, tac. Est-ce que Woody, tu valides? Ok, j'allais dire Walid. Non, c'est Woody, les gars. Ok, Woody, il valide les aliens, donc c'est juste. Ensuite, il me manque une oreille et un bras. De marron, bien. Marron, les gars, je sais plus ce qu'il y a de marron. Il me manque une oreille et un bras. Ah, ok, j'ai trouvé. C'est Monsieur Patate. Donc on va mettre tac. Merde, je me suis trompé. Monsieur Patate. Tac, comme ça. Woody, c'est ça, tu valides? Ok, c'est ça. Ouf, ouf. Ouf, ouf, c'est quoi? Ouf, ouf. Super indice, les gars. Qu'est-ce qui est orange et marron? Ouf, ouf. Bah, ouf, ouf, ça doit être un chien. Mais est-ce qu'il y a un chien dans Toy Story?
Ok, est-ce qu'il y a un chien? Il y a un chien dans Toy Story, Woody? Alors attendez, j'essaye de m'en souvenir, les gars. Oh, les gars, je m'en souviens. C'est Zigzag. Zigzag, c'est genre le chien, là, il a sa tête. Il y a des ressorts entre les deux. Et il y a, à la fin, bah, genre, il y a bah, le reste de son corps. Zigzag. À mon avis, ça doit s'écrire comme ça. Tac. Est-ce que c'est ça, Woody? Tu valides? Ok, Woody, Walid, les gars. Donc, est-ce que Woody, t'as un cadeau pour ce niveau ou pas? Ok, donc Woody a un cadeau. Donc, on va voir ce qu'il a à nous offrir. Oh, il a nous offrir. Oh, des cadeaux. Des gâteaux, pardon. Ok, donc il a beaucoup de gâteaux à nous donner. Oula, il en a la masse, les gars. Du coup, pour l'instant, il nous a donné 11. 11. Ah, ok, donc lui aussi nous mange avec nous. On va manger avec lui, les gars. Est-ce que. Voilà, tac. Allez, boum, on a mangé avec Woody. Je finis ton gâteau, Woody. Hop, je vois que t'as du mal à terminer. Du coup, on a réussi le haut et le bas. On a fait un petit sans faute. Du coup, Woody, merci pour tes gâteaux. Et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Peut-être à 1000 likes. Ciao, Woody. Ok, du coup, les gars. On a fini la première maison des mignons où on a gagné le totem d'immortalité et la deuxième maison bleue avec Woody qui nous a donné à peu près 15 gâteaux, pardon. Du coup, on se retrouve pour la troisième maison. Du coup, les gars, on se retrouve pour la troisième maison. Du coup, les gars, on va se retrouver pour la maison de Angry Bird. Du coup, on a gagné le petit totem d'immortalité, le gâteau. Et là, je sais pas ce qu'on va gagner, on verra bien par la suite. Du coup, je me mets en F5 et on rentre tout de suite dans la maison d'Angry Bird. Tac, alors. Ok, donc ici c'est fermé, une cloison. Ah, il y a un panneau. Je dors, monte en haut. On monte en haut, les gars. Ok. Salut, je suis malade et je suis resté couché dans mon lit. Finis mon travail et tue les cochons avec l'arc dans le coffre. Ok, donc, ah oui, Angry Bird, les gars, si vous savez pas, il tue des espèces un peu de cochons verts et tout. Bon, là c'est des cochons rouges. Mais du coup, ah ok, il nous a laissé un arc et des flèches. Du coup, on va viser ça tout de suite, les gars. Alors, on va essayer d'avoir le cochon. Ah, oh merde, ok, j'ai tué celui de là-bas sans faire exprès, mais c'est pas grave. Ok, ah merde, j'ai tué, tac. Hop, on va le tuer. On va tuer celui qui est là-haut, les gars. Ok, 2, 1. Et. Ok, donc merde. Wesh, ça peut être. Ah ouais, il y a la barrière, les gars. Faut tirer juste là. Puis, ah non, putain, il y a toutes les barrières, les gars. Oh, nickel, là j'ai un bon angle de vue. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, allez, boum, on a tué tous les cochons, les gars. Oh putain, ça fait de la. Des trucs cuits. Est-ce que si je tire dessus, ça en fait? Non, ok. Du coup, on a tué tous les cochons, les gars. On va reposer l'arc quand même et les flèches pour laisser lui aussi de tuer les machins quand il sera réveillé, quand il sera plus malade. Du coup, on va descendre. Les gars, on va quand même aller voir Angry Bird. Donc, ah ok, les gars, il dort vraiment. Regardez, en plus, il a des trucs sur ses yeux là pour pas que, pour pas qu'il voie la journée et tout. Ah, il y a un truc. Voici ta récompense, ne fais pas de bruit. Oups, oh, les gars, on va pas faire de bruit. On voit ça. Oh, un diamant, les gars. Ok, super, on a gagné un diamant, les gars. On va fermer. Ok, on va fermer juste la porte pour pas que ça fasse de bruit quand, quand on va sortir. Et du coup, on va sortir de la maison, genre en mode ni vu ni connu. Du coup, on a gagné le diamant. On va ramasser quand même une petite côtelette là-bas. S'ils sont tombés, XP, tac, ok. Et on a une petite côtelette, pardon. Ce qui fait plaisir. On va se mettre en game mode, tac. Et je ramasse celle-ci, celle-ci. Et la dernière qui est juste ici. Du coup, voilà. Alors du coup avec oula tu fais quoi toi, casse-toi. Du coup avec les mignons on a gagné un totem d'immortalité. Avec Toy Story, enfin Woody qui nous a fait gagner un gâteau, enfin plusieurs gâteaux, attends, 8 précisément, en disant que j'en ai mangé quelques-unes pendant le rec. Et un diamant gagné par Angry Bird. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un max de likes sous cette vidéo. C'était Awariz, ciao tout le monde.